Ouais, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui me demande. Rien. Attends, je leur explique comment rentrer. Il fallait mettre le code en bas. Ils vous ont demandé un code. Arav, ils vous ont demandé un code. Ravez-nous, Ils le disent Zoom ne marche ça. pas. Si vous Alors, ils mettez n'ont le pas. code qui est en bas, le 0F, la dernière ligne, le code secret, avec ça, vous rentrez directement dessus. Il y en a deux qui essaient de se brancher à part ça, mais ça n'y a pas beaucoup de monde, hein. Ah oui, c'est dommage. C'est pour ça que je voulais moi faire un audio et l'envoyer. Ça, tout le monde aurait écouté. Je peux C'est mieux de le faire. enregistrer. Comment? Je peux enregistrer le cours, ça ne me dérange pas. Et Mais... parce que le direct, si les gens ne sont pas là, ben, ils l'écoutent pas. C'est ça. Ouais. On va attendre. Il est quelle heure? Il est 8. Je vais attendre jusqu'à... Je vais encore attendre 2 minutes et je commence. Et après, j'enregistrerai. Je ferai l'enregistrement et je le mettrai directement sur le groupe. Comme ça, ils auront la possibilité d'écouter plus tard. Ah, d'accord, ok. Est-ce que vous voyez maintenant la page devant vous sur l'écran? Tout petit, oui, je vois Tout tout petit. petit, mais Ah, je peux. c'est petit. C'est tout petit, ouais. Ah, attendez, c'est pour ça que vous allez être mon. Je vais... Vous allez me tester. Comment je peux grandir? Peut-être on peut. Je sais pas. C'est même illisible, tellement c'est petit. On voit, mais c'est tout petit. Hein. D'accord. Je vais essayer de grandir là. Je vais essayer de l'agrandir d'abord de mon côté à moi. Ah, c'est un PDF. PDF, c'est ici. Maintenant, regarde, je refais la même chose. Vous me dites est-ce que vous allez voir? Une seconde. Partage d'écran. Et là, vous arrivez à voir? Là, j'arrive à lire, oui. C'est petit, mais on arrive à lire. Là, on va arrêter le partage. Je vais commencer l'enregistrement maintenant. On avait dit à 10. Encore 1 minute, il reste. Et dans 1 minute, je commence. Bon. Bon, c'est bon, on va commencer maintenant. Je commence le partage. Et bonjour à tout le monde. Pour ceux qui sont joints à nous
en direct et ceux qui verront qui verront la vidéo du cours. Et j'ai beaucoup hésité avant de vous donner ce cours-là. Et je vous explique pourquoi. D'abord, les gmarot ne sont pas tellement faciles. Et j'essaye de donner aussi une réponse par rapport à un certain manque de sérieux parfois que j'ai trouvé dans le groupe. Et je vais vous montrer comment Chazal, les Chachamim dans la Gemara, attaquent le sujet. La Gemara, hein, lorsqu'on vient l'apprendre, Bekdusha ou Betahara, tout d'un coup, c'est déjà un autre niveau. C'est-à-dire que les Chachamim, lorsqu'ils parlent à l'homme, ils viennent parler vraiment à l'homme. C'est comme une sorte de psychanalyste. On va chez un psychanalyste, on s'allonge sur le divan, on commence à lui raconter le problème. Là, vous arrivez, et je vois très souvent dans les demandes des CV des personnes, vous avez l'impression que les rabbanim, c'est eux qui doivent faire le travail. Et on va voir à travers les sougyot de la Gemara que je vais vous montrer, que les personnes qui doivent faire le travail, c'est pas les rabbanim, c'est vous. La source de votre réussite, elle est dans vos mains à vous. Nous, on est là, hein, pour vous donner conseil. Il y a une différence entre donner un conseil lorsqu'on voit un élève qui ne se comporte pas bien, lorsqu'on voit une personne qui est en train de se tromper. Alors, on fait effectivement des remarques à la personne parce qu'on a une expérience professionnelle. L'expérience qu'on a, il faut comprendre, on est aussi des gens tout petits. Si vous avez un tout petit nain qui est tout petit, il n'est pas capable de voir très loin. Mais si vous mettez le petit nain sur la tête d'un géant ou d'une girafe, il est même supérieur à la girafe. Parce qu'il est au-dessus d'elle, il est capable de voir encore plus loin que ça. Là, nous, on est sur le dos de tous les rabbanim et tous les chachamim qui ont étudié la Gemara, d'abord, qui ont fait la Mishnah, les Tanaïm, les Amoraïm, après il y a les Savoraïm, après on a les Rishonim, on a les Achronim. Et nous, on arrive après l'étude de toutes ces personnes-là. Donc on a une expérience de vie. Moi, pour l'instant, personnellement, j'ai 57 ans. Mais j'ai pas 57 ans. J'ai 3557 ans, depuis Mahamar Dassénaï jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que les Chachamim nous ont donné. Alors j'essaie de vous montrer, hein, à travers la Sougia qu'on va étudier tout de suite, comment les Chachamim comprennent le problème, à mon avis, qui est tout à fait adapté à notre génération. Et je sais que le texte est dur, c'est pour ça que c'est pratique d'un côté de l'enseigner en Zoom parce qu'il n'y a pas de ricanement bête. J'ai déjà fait ce cours-là dans des réunions, dans des synagogues, dans des yeshivot tichoniot, dans des yeshivot. Et des fois, le public ne sait pas toujours réagir comme il faut. Donc maintenant, on va essayer de voir entre nous une comparaison entre deux sougyot, deux gmarot. On va commencer par le traité d'Avodah Zara. Et après, on va comparer cette sugya-là à une autre sugya dans Menachot, et on va voir comment les Chachamim, sur les deux cas, trouvent une solution à notre génération d'aujourd'hui, aux jeunes que nous avons aujourd'hui. Donc là, vous avez le texte de la Gemara, je pense. Ara, vous voyez le texte de la Gemara assez clair? Oui, je le vois, c'est bon. D'accord, c'est bon. Donc on est dans le Talmud Bavli, Maseret Avodah Zara, Daf, Yud Zayin Amud Alef, Vehatanya. Et on nous enseigne la Braïta suivante. Amar Alav al Rabbi Elazar ben Dordaï. On parle ici d'un homme qui a déjà un nom. Rachid, tout de suite, il nous met la puce à l'oreille. Il a un nom un peu bizarre. Il s'appelle le Dieu, l'aide au nom de Dieu de mon père. Et il est fils de Dordaï. Et Rachid nous explique c'est quoi Dordaï. Dordaï, c'est très simple. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà jeté la poubelle. Et lorsqu'il soulève la poubelle, le sachet poubelle, des fois, il y a un fil visqueux qui tombent et qui sont extrêmement mauvais. Cette odeur nauséabonde. Donc, le Dordaï, c'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un a écrasé du raisin en Eretz Israël dans des sacs de jute. On écrasait avec ça, on mettait sous une presse. Et une fois que ça s'était bien pressé pendant quelques semaines, qu'on avait réussi à avoir on retrouvait ces sachets et ça était d'une puanteur terrible. C'était le Dordaï. Vous imaginez le jour de la naissance de ce petit enfant, lorsqu'on a demandé à son père qui montait la Torah, veuillez créer chez moi Béisraël, et comment vous appelez votre fils? Il s'est fait nommer Dordaï, fils de la puanteur. On voit déjà que si les Chachamim, ils utilisent des noms pareils, ils sont en train de nous donner une orientation, une façon de réfléchir à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait comme particularité,
ce rave-là, parce que la Gemara quand même l'appelle Rabbi. On a ici un rave d'un niveau d'un Amora. Il est rave à l'époque de la Gemara. Aujourd'hui, pour être rave en Israël, il faut avoir fait minimum 5 ans de yeshivot après l'âge de 18 ans. Une fois qu'on a fini 5 ans de yeshiva gvoa après 18 ans, on a encore 4 ans ou 5 ans d'examen de rabbanout qu'on prépare à Echal Shlomo chez la rabbanout Rachit. Et là, on peut recevoir le titre de rave. On continue à étudier un peu encore. Hein. On reçoit après le titre de rave Shruna, rave de quartier. On passe encore une dizaine d'examens. Ça dépend de l'intelligence de chaque personne. Et là, on atteint, hein, le niveau de Rav Hir. Après, on va encore 8 ans à la Yeshiva dans un machon de Dayanout, 8 ans d'études, et on sort avec un diplôme de Dayan. Donc, vous imaginez qu'on ne peut pas être Dayan si on a un enfant de 14 ans. Mais là, on a ici un Rav qui est nommé par la Gemara, hein, Rabbi. En général, vous savez très bien dans la Gemara, lorsque la différence entre Rav et Rabbi, lorsqu'il y a le Yud, ce sont les rabbanim d'Eretz Israël. Lorsqu'il est marqué Rav, Ravuna, Ravashi, ce sont les rabbanim de Babel, de la grande yeshivot de Soura et Pompédita. Donc là, on a un Rav d'Eretz Israël, il a une particularité qui est très, 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 très bizarre. Alors, gardez les ricanements, bien que je vois qu'il y en a Baruch HaShem qui sont heureux, c'est très bien, ils m'ont fait le caveau de mettre la vidéo. Il avait une particularité. Il n'a pas laissé une seule prostituée dans le monde où il n'a pas été avec elle. C'est déjà, hein, on n'arrive pas tellement à comprendre comment la Gemara peut se permettre d'appeler un homme d'une bassesse pareille à un titre de rave. Je dirais que le problème qu'il avait face à lui, c'était un homme qui avait des problèmes personnels et il avait un problème, parce que chaque fois qu'il y a une prostituée qui était quelque part, il était obligé de passer un moment avec elle. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Pamachat. Shama sheyezona achat beirketayam. L'être humain, l'homme, comment il est fait? Il peut être tenté par une femme seulement par la vue. C'est pour ça que dans le Shema Israël, il est marqué Velotatoru achrelevafrem achrenechem. D'après vos yeux. J'ai vu que vous avez eu un shiur, je crois, hier, sur Shmirat Enayim. Mais l'être humain, l'homme, tel que Kadosh Baruch Hu l'a créé, en général, ne peut pas être excité par l'ouïe. Si quelqu'un, il va voir son copain, j'ai trouvé une fille extraordinaire, une beauté, et le monsieur, il va tout d'un coup se devenir fou de ça, il va tromper Chas V'Shalom sa femme, il va commencer à faire des bêtises très graves et tout. Il y a la possibilité d'arriver à ça seulement si il voit la chose. Alors, maintenant, vous voyez que ce Rav Elazar Ben Dorda, lui était différent. Il a entendu, il a Shama, il a entendu qu'il y a une prostituée, mais elle est où? Berketa, elle est l'autre bout de la terre. Vaïta notel et tis dinarim besrara. Et elle demandait pour ses services de recevoir une bourse qui équivaut à peu près à un an de salaire à chez SP. Donc, ce n'est pas une prostituée normale, c'était une prostituée de luxe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé son compte d'épargne logement, il a pris sa tirelire ou sa tzedaka, il a pris toutes ces petites pièces et il est parti. Nathan Kizdinarin va à l'art et il est parti. Avar Aléa Shevanéaot. Maintenant, regardez, hein, ce qu'il est en train de faire. Pour arriver jusqu'à elle, les Chachamim, ils jouent avec les mots du terme de la Gemara. Il a dû, pour arriver à cette femme, il a dû traverser 7 fleuves. Le Maharal de Prague nous explique qu'on vit dans un monde aujourd'hui, dans le Olam, qui est basé sur Maaseh Bereshit. Sheshet Yamim Ta'avdu, Ve'yom HaShvi'i Shabbat. 6 plus 1, c'est le monde de la réalité actuelle. Le monde du 8, c'est un monde déjà, hein, Yimot HaMashiach, des temps messianiques. C'est pour ça que la Brit Mila, c'est quelque chose de supérieur. Hanouka, c'est quelque chose de supérieur. Simchat Torah, c'est une fête de la fin des temps. Tout ce qui est 8, c'est la fin des temps. Mais lui, pour atteindre cette femme-là, cette prostituée de luxe, il a dû traverser 7 fleuves.
Quel est notre nom? Les goyim nous appellent des juifs. Mais avant d'être juifs, on avait un autre nom. Ça, c'est un nom qu'on a pris en galoute, après la destruction du deuxième temple. On était les enfants de Avraham à Ivri. Pourquoi Ivri? Qui colle à Olam et vers la Nahar, ou mais vers l'eau. Tout le monde entier est d'un côté du fleuve, nous on a été au-delà. C'est-à-dire que nous sommes passés au-delà des lois de la nature. On n'est pas sous le signe de la nature humaine, du fait que nous remettons notre cerveau et notre corps humain dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc on utilise plus notre neshama et notre nefesh que notre corps humain. On est capable de s'élever à un niveau différent. Et on est sous le signe d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que tout le monde était sous le déterminisme humain et nous, on est au-delà du fleuve. Si vous posez, moi je suis un Parisien qui a grandi à Ivry-sur-Seine. Toute ma vie, j'ai vu la Seine, que j'étais en France, couler à Paris. Si vous posez la question à un Parisien depuis quand il y a la Seine, il vous dit, je sais pas, moi depuis que je suis né, il y a la Seine. Si vous allez voir dans les livres des fouilles archéologiques qu'on a retrouvées d'Astérix et Obélix, vous allez voir qu'ils sont arrivés à Lutèce. Et à Lustette aussi, il y avait déjà la Seine. La Seine a toujours été, avant que les Français existent, il y avait déjà la Seine à Paris. Donc en fait, la Seine représente le déterminisme humain. Là, ce que nous avons, c'est quelque chose de différent. On a cet homme-là qui a dû, pour pouvoir atteindre cette prostituée, faire une fonction F-1. Il est remonté en arrière. Il est reparti en arrière pour atteindre ce niveau de cette femme-là. Et lorsqu'il arrive à elle, la Gemara nous enseigne, je continue la Gemara, Beshaata Ergel, Davar, lorsqu'elle était en train d'avoir des relations sexuelles avec lui, à ce niveau-là, elle n'a pas pu se retenir, elle a fait une faute professionnelle, elle a eu un gaz. Et tout d'un coup, tout autour d'eux, il y a une odeur nauséabonde qui apparaît, et c'est dégoûtant. Et tout d'un coup, Amra, là, et là, c'est elle qui parle, Amra, au lieu de s'excuser, de lui donner un bon de « tu peux revenir chez moi et ça va être gratuit », de lui donner quelque chose, non. Qu'est-ce qu'a fait elle? Elle lui dit que « Shem shapicha azot ena chozeret limkoma », de la même façon que cette odeur nauséabonde ne peut pas, je ne peux pas la faire rentrer dans mon corps, car el azar ben dordai en mekablim oto bitshuva. Cet homme-là, il lui dit, on voit que cette prostituée de luxe, elle avait un niveau de moussard, comme un machgir dans une yeshiva. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit, de la même façon que cette odeur ne peut pas revenir dans mon corps, et c'est plus tout d'un coup Rabbi Eliezer ben dordai, il devient un nom stam, el azar ben dordai, il lui dit une chose. Tu ne pourras jamais faire tchouva. Ça l'a rendu malade. Il s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment cette femme me définit que je ne pourrais pas faire tchouva? Qui elle est pour me dire une chose pareille? Quoi, elle avait décidé si je vais faire tchouva ou pas? Il n'y a pas un libre arbitre à l'homme. Et là, Rabbi Elazar ben Dordaï, bien qu'il a été mis par cette prostituée à un niveau de pas de Rabbi, de Elazar ben Dordaï, en mekablim oto b'tchouva. Elle lui a donné une claque plus grave qu'un machgir dans une yeshiva. Alors, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti chercher des solutions. Amar, Arim ou Gvaot, il a demandé aux montagnes et aux vallées, Bikshu alay rachamim. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry. On voit que lui aussi, il demande de l'aide à des tas de. De l'aide à des tas de forces naturelles pour pouvoir l'aider au petit prince. Et il n'a pas de solution. Là aussi, la Gemara lui dit, il a demandé au Harim ou Gvaot. Et il lui dit, Amrolo, Achanum mevakshim alecha nevakesh alatsmenu. Attends. Avant qu'on arrive à demander au maître du monde, puisque le jour de Rosh Hashanah, kol bae olam baim lefanecha, tous les créatures de l'humanité viennent devant un Kadosh Baruch Hu. Des poux qui se trouvent sur la tête des personnes jusqu'au roi qui est assis sur sa chaise. Toute la création passe devant Akadosh Baruch Hu. Pas seulement toute la création, l'homme, le monde animal, le monde végétal et le monde minéral. Toute la création ensemble passe devant Akadosh Baruch Hu.
Alors maintenant, hein, il dit les montagnes et les vallées, ils lui disent, avant qu'on te demande à toi, Tshuva, pour toi, tu sais quoi? D'abord, on doit s'occuper de nous-mêmes. On n'est pas capable de faire la chose pareille. Et il refuse. Il devient encore plus fou. La Gemara continue. Shamaim va'aretz, comme on voit dans Azinu. Azinu, Shamaim va'aretz. Mon cher Rabbeinu les avait pris comme témoins, puisque avant que l'être humain soit créé sur Terre, le premier être humain, le ciel et la Terre, c'était des constantes qui existaient déjà. Donc il lui demande la même chose et il lui répond la même question. On ne peut pas venir à toi, hein, on doit s'occuper de nous-mêmes. Parce que la Gemara, elle sait très bien, la Terre, elle sait très bien que si le peuple juif ne garde pas la Torah, si on ne reçoit pas le Kafalenu Arkegigit au moment du Mahamar d'Arsinaï, il nous a mis sur notre tête, comme une choupa, il nous a mis le mont Sinaï sur notre tête. Si on reçoit la Torah, Motav, c'est très bien. Imlav, si vous ne recevez pas la Torah maintenant, Ani Marzir, Otrem, les Tohu Vavohu, on va se retrouver avant la création du monde. Donc là, hein, la terre et le ciel lui ont dit, je suis désolé, mais on ne peut pas s'occuper de toi, on a des choses à s'occuper de nous aussi. On a peur que Dieu nous rapporte à un niveau de catastrophique. Il se tourne vers Chema Velevana, entre le soleil et la lune, même chose. Il monte à un niveau encore plus élevé et il demande maintenant Kochavim et Mazalot. Comme on voit chez En Mazal et Israël. Le peuple juif, il n'est pas sous le Mazal des forces de la nature. C'est vrai que l'être humain, le goy, il est oui sous le Mazal de la nature parce que HaKadosh Baruch Hu lui a donné une création, mais il a mis dans sa création une possibilité, hein, de vivre en fonction de ses forces de sa naissance. Nous, le Ham Israël, on a une puissance devant HaKadosh Baruch Hu qui est différente, puisque nous avons la tchouva, nous avons la possibilité d'aller contre loi de la nature et atteindre un niveau qui est nettement supérieur grâce à nos actes. Donc on n'est pas sous la nature. Et toutes les personnes, tous les cas de la Gemara ont refusé. Et on arrive à la question qui est très difficile. Amroulo. Et Amar, et il s'est posé la question, excusez-moi, je suis ici, vous voyez dans cette là. Amar, tout d'un coup, là, quand il a vu, il a essayé de chercher des solutions à droite, à gauche, comme je vois les personnes. Ah, Rav, qu'est-ce que vous pensez? Le coach, qu'est-ce que vous pensez? Comme si tous les problèmes, c'était dans nos mains à nous. Nous, on est là pour donner des kivounim, on est là pour donner des orientations, on est là pour aider les personnes, on n'est pas là pour enlever le libre arbitre à la personne. Et là, hein, il comprend une chose, et c'est la phrase clé. En adavar talouy ela bi. La chose ne dépend que de moi. C'est moi qui est devant mon père, devant HaKadosh Baruch Hu. C'est moi qui est devant Ribbono Shel Olam. Et là, qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Inir Rosho ben Birkav, il a mis sa tête entre ses deux genoux, vegar bebechi, et il s'est mis à pleurer. Et il s'est mis à pleurer et à pleurer, à pleurer la vie. Il a dit, si ça dépend que de moi, je peux rien faire. Je suis bloqué, je suis perdu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est Atzanishmato. Et sa neshama, elle est sortie de son corps tellement ici. Tellement il a pleuré, tellement il a demandé à Kadosh Baruch Hu de l'aide. Et il cherchait des solutions à droite et à gauche au lieu de chercher les solutions chez lui. À ce moment-là, la Gemara nous enseigne, il y a Tzabat Kol ve'Amra. Une voix céleste. Une voix céleste. Le jour du Mahamar d'Arsinaï, quand Kadosh Baruch Hu, il nous a dit Anochi Hashem Elokecha Asher Otzitera Me'eretz Mitzrayim Bet Avanim. Une voix céleste sort de Kadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Elazar ben Dordaï, Ouzman Lechayi Olam Haba. Rabbi Elazar ben Dordaï, c'est pas qu'il a reçu le titre. Moi, j'ai reçu mon titre de Rav de Echal Shlomo. Je ne sais pas le Rav Alun, chez quel Rav il a été les Ibachem quand il était jeune, pour devenir Rav. Nous, on a chaque Rav, il a son Rav qui lui a donné la smicha. Lui, cet homme-là, il a reçu une smicha de Bat Kol. Vous imaginez le niveau? Et il lui dit, tu es invité à rentrer dans le monde futur. Tellement sa tchouva, hein, a été sincère jusqu'au moment, hein, où il est mort, il s'est mis il est arrivé devant le monde futur. Je fais exprès de finir la Gemara ici, je passe à la deuxième Maseret, tout de suite, sans transition, parce que sincèrement, vous allez voir qu'on va finir la deuxième Gemara. Cette première Gemara, je la déteste. Pour moi, cette première Gemara, c'est le fruit d'une société
qui est malade. Maintenant, pour pouvoir expliquer ma pensée, je voudrais me baser sur une deuxième Gemara qui se trouve aussi dans Talmud Bavli, Masechet Menachot, Daf Mem Dalet Amud Alef. Et là, regardez qu'est-ce qui va se passer. On va nous raconter une histoire qui est très semblable, mais la fin est différente et la situation est différente. Qu'est-ce qui se passe ici comme cas? C'est Ulmad. Vous savez que lorsqu'on est en galoute, on appelle dans la Gemara du Talmud Bavli, Tashma, viens et écoute. Comme ça, les sugyot nous enseignent. Dans le Talmud Yerushalmi, c'est Tachazei, viens et regarde. Parce que lorsque vous êtes avec moi, par exemple, si vous étiez avec moi ici, j'habite, comme je vous ai expliqué avant-hier, dans les monts de Hebron, il suffit que vous sortez ici à 3 mètres dans mon jardin, vous voyez Maratha Marpella. On voit Hebron. Je n'ai pas besoin de vous parler là-bas. Ce n'est pas là-bas, c'est ici. Donc la Gemara nous dit, c'est Oulmad, sors et apprends. Mitzitzit, mitzvah tzitzit. Il y a une mitzvah qui est très simple. On a tous des tzitziot, des ashkenazim. Les ashkenazim mettent les tzitzit à l'extérieur. Nous, les sfaradim, nous les avons à l'intérieur. Et nous avons cette mitzvah de tzitzit. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Et je ne sais pas si vous avez fait attention pour ceux qui me font le caveau d'être présents. Et bientôt, il me reste 10 minutes avant que ça va se couper. J'ai déjà préparé, pas comme la dernière fois, j'ai déjà enregistré sur le groupe du Ravaloun. Vous avez là-bas le deuxième link. Dès que ça coupe son premier link, on passe au deuxième link du Zoom. Et vous avez le code à la dernière ligne pour pouvoir rentrer dans le groupe. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit le Maaseh be'adam echad she'aya mazir be'tzitzit, mitzvah tzitzit. Ici, on a un homme qui était très pointilleux, très makpid sur une mitzvah, be'tzitzit. Les autres mitzvot, il était un peu chafifnik. Il était un peu léger. Il faisait pas, on a parlé dans le groupe, il venait pas à la prière, il n'étudiait pas comme il faut, il n'était pas shomer negiah, il avait des faiblesses. Mais la mitzvah de tzitzit, pour lui, c'est Kodesh Kodesh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu parler une société. Il y a une société. La Gemara vient nous montrer la société avant le Khurban HaBayit, ou plutôt après le Khurban HaBayit, comment était la société en Israël. Comment toute la société était en fait basée sur des valeurs qui étaient fausses. Et là, hein, Shama, il a lui aussi, il a entendu. Shama, Shiezona Birkataya. Il y a une prostituée extraordinaire qui se trouve l'autre côté de la terre. On va voir que l'autre côté de la terre, ça va être où? Ça va être à Rome. Et qu'est-ce qui se passe avec cette prostituée de luxe? On ne peut pas arriver chez elle comme ça. Pour arriver à elle, elle apprenait un sachar, venotelet dalet amot zeuvim besrara, 400 pièces d'or. Pour son salaire, pour avoir une nuit avec elle. Donc, si on veut aller avoir des relations avec elle, il faut lui payer cette somme d'argent. Ça ne s'arrête pas seulement comme ça, mais il faut prendre rendez-vous avec elle. Donc, vous comprenez que si l'homme, il a tout d'un coup un désir incontrôlable, ça, il devient fou. Il a vu une fille tellement belle, il n'est pas capable. Là, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans un cas où un homme, il est en Eretz Israël, on va voir tout de suite, il n'est pas seulement en Eretz Israël, il travaillait au Beth Amikdash, et cette personne-là, elle a, dans tout d'un coup, elle a entendu qu'il y a une prostituée extraordinaire qui se trouve à Rome. Maintenant, il a fallu qu'il rentre dans son Outlook, qu'il rentre sur Internet de l'époque. Imaginez comment ça se passait à Internet avec les Romains, c'est eux qui ont créé la première banque. Vous donnez dans une garnison romaine de l'argent et ils vous donnent un papier et vous êtes capable d'aller dans une autre garnison romaine et là-bas vous recevez l'argent que vous avez donné. Il y a tout un système déjà que la Gemara nous enseigne comment Rome dirigeait tout son empire. Donc, Shigerla Abamanzoumim. Aujourd'hui, on vit dans un monde moderne, vous avez tous des téléphones. Avec ça, je peux prendre un billet d'avion et arriver demain matin à Paris avant Rosh Hashanah, c'est pas du mon cas. Je vois que tu passes à la guitare déjà. Hein. Si tu veux, on attend que la fin du cours. Et là, on pourra tous chanter avec toi. Et on pourra faire les slechot en chantant. Maintenant, donc il a envoyé
à l'époque 400 pièces d'or pour elle. Une fois qu'elle a reçu l'argent, elle lui a fixé un temps. Et il Et faudra comme personne attendre l'heure. ne Une fois qu'elle a attendu l'heure d'arriver à lui, donc on comprend que si une personne, il a fait une erreur, il a fait une bêtise, parce que tout d'un coup, il s'est senti seul, pas entouré de ses chevrotot, à Selech HaChaver ou à Selech HaRav, il n'avait pas son rave à côté, tout d'un coup, il a commencé à faire des bêtises. C'est pas du tout le cas ici. Là, on a un homme, il a entendu, il a envoyé, il a attendu, il a fixé un moment avec elle. Il y a tout un travail extrêmement pointilleux que de la Gemara pour nous montrer comment cet homme-là, il a pu atteindre le niveau de sa tahava, de son désir sexuel. Et là, le moment est arrivé. On voit que lorsque Rabbi Meir est parti à Rome, ça a mis quand même 3 mois. Il y a 3 mois de voyage. Aujourd'hui, c'est 4 heures d'avion. Mais à l'époque, c'était quand même 3 mois de voyage. Pendant les 3 mois de voyage, il a le temps de faire tchouva. Il a le temps de réfléchir. Il est en train de se dire, attends, je suis en train de faire n'importe quoi. Pas du tout. Il a voyagé jusqu'à chez elle. Quand il arrive chez elle, Uba ve'yashav al pitra. Je vous lis la Gemara, c'est le texte, on vérifie, je vous donne la référence, vous allez voir ça dans le Talmud. Il arrive chez elle. Bonjour madame. Il croyait que c'était elle qui allait ouvrir. Pas du tout. Elle a une servante. Nirnas vepetar. Alors, elle est rentrée. Uba ve'yashav al pitra. Et la servante dit, monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous, vous avez un petit rafraîchissement, j'arrive tout de suite. Elle va voir sa maîtresse et elle lui dit, Oto Adam, ce shiger l'arba meot zeuvim, bav yoshev bebitra. L'homme qui t'avait envoyé les 400 pièces d'or et qui avait fixé le rendez-vous avec toi aujourd'hui, il est dans le salon. La personne lui dit, Amrahi, Ikanes, qui rentre. Et la Gemara nous dit, Nirnas, et il est rentré. La Gemara est tellement radine en mots, elle fait tellement attention de ne pas rajouter des mots en trop. Là, elle est en train de nous donner bientôt son adresse email et son adresse à Rome, où ça se trouve. Qu'est-ce qui se passe après? Elle lui dit la chose suivante, Nirnas, et quand il rentre, elle lui dit, attention, Itzialon Sheva Mitot. Tu vois devant toi, maintenant je t'explique comment ça va se passer. Pas tu me sautes dessus, tu commences à me toucher tout de suite. Non. Il y a des règles. Tu vois devant toi, il y a 7 lits. Shesh shel kesef ve'echad shel zahav. 6 lits en argent et un lit en or. Maintenant, comment on peut passer d'un lit à un autre, puisqu'il y a tout un système d'étages, une sorte de cage à poules où on peut monter jusqu'au septième ciel, comme on dit en français. Ben kol echad ve'echad sulam shel kesef. Entre chaque lit, entre le premier lit et le deuxième lit, entre le deuxième lit et le troisième lit, tout ça, entre chaque lit, il y a une échelle en argent. Et entre le sixième et le septième lit, une échelle en or. La Gemara donne des précisions. Maintenant, ils ont fait tout le jeu, ils sont montés premier lit, deuxième lit, troisième lit, ils sont arrivés, ils sont au septième lit. Faites attention, rappelez-vous d'abord dans la Gemara, qu'est-ce qu'il avait fait pour arriver à sa prostituée? Il est remonté 7 fleuves. Il a fait le chemin inverse d'Avraham Avinu. Nous, on a réussi à se sortir du monde Goy. On s'est séparé de la Touma des Goïms, de l'attirance matérielle et animale que nous avons en nous, et nous sommes arrivés à un niveau de spiritualité. Lorsqu'on se marie, on sait très bien qu'est-ce qu'un homme et une femme fait le jour du mariage. Maudit celui-là qui en parle. Avant de s'approcher vers une Bat Israël, on est d'abord Mekadesh Ota. Areat Mekudeshet Li. Tu m'es sanctifié. Pas je t'ai acheté. Pas je t'ai transféré de l'argent. Non. Je t'ai donné des Kiddushin et grâce aux Kiddushin, on va créer un Kesher entre nous, un contact entre nous qui est spécial. Supérieur, comme voit Avraham Avinu avec sa femme, il dit, quand il arrivait aux portes de l'Égypte, tout d'un coup, il a découvert que Sarah était belle. Elle n'était pas encore Sarah. Et là, il savait que s'il la voyait belle, Pharaon allait le tuer. C'était le mari. Et il se tourne vers sa femme. Amrina achotiat, dis, je t'en prie que t'es ma femme, t'es ma sœur. Les mani tavler be'avurer vechaita. Ainsi, commence à savoir que je suis ta sœur, ils vont me faire beaucoup de bien grâce à toi. Dis, c'est quoi cette histoire?
Abraham Avinu, pour aller sauver son neveu, hein, il a commencé à faire la guerre contre les cinq, la première guerre mondiale contre les cinq rois de Galout. Et pour sa propre femme, il la met comme sa sœur. Comme il me reste une minute, et c'est une bonne question, ça va, si vous voulez avoir la réponse, comment notre grand-père Pépé Avraham s'est comporté avec sa propre mère, notre grand-mère, il faut couper ce zoom-là et rentrer tout de suite dans le deuxième zoom où je finirai, puisqu'on arrive à la fin de mon chiot avant que le Rav prenne la parole. Et maintenant, rendez-vous sur le deuxième zoom. Je suis désolé de vous couper comme ça, mais je n'ai pas trouvé d'autre solution pour pouvoir vous parler en zoom. Todaraba, à tout de suite. Merci.